dépêche-toi, écris vite, vite. Oui, Je suis plus Lily Rose, je suis Bad Lily. Punie dans sa chambre, punie d'écran, plus d'écran pendant une semaine. Donnez les réponses. Non, laisse-moi tranquille. Alors, tu veux que je continue à t'enrouler alors? Non, arrête. Bah alors, tu vas me donner les réponses ou pas? D'accord, Bad Lily, d'accord, d'accord. Ouais, ouais. La réponse. Allez, vite, dépêche-toi, écris vite, vite. Oui, hop. Mieux que ça, mieux que ça. 3 plus 3 égale 7. 3 plus 3 égale 7. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je t'envoie un peu plus? Valentin. 9 plus 4 égale 3. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Ne vous mêlez pas ces affaires. Assieds-toi, mais c'est quoi ce maquillage? Vous êtes personne en fait pour vous mêler de nos affaires. Et ça là, Valentin. Tu vas me donner les réponses, toi. Tu vas me donner les réponses. Oh là 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 là, pourquoi il est attaché? Allez travailler, vous. Vous n'avez pas que ça à faire. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis allée déposer Lily Rose à l'école. Ça allait pas du tout. Elle a fait un maquillage très bizarre. Et à chaque fois que je l'appelais Lily Rose, elle disait: non, je suis pas Lily Rose, je suis Bad Lily. Maintenant, faut me respecter. Je vais être la plus méchante. Non mais. Oh, qui m'appelle? C'est le prof de Lily Rose. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, allô? Non, mais tu vas me Esteban en fait. Oui, il faut que tu viennes tout de suite. Non, oui, tout de suite, c'est une catastrophe là. Allez, il y a ta sœur là, Lily Rose, qui est en train de faire le bazar. Dépêche-toi. Oui, dépêche-toi. Donne-moi les réponses, écris vite, dépêche. J'écris. C'est une blague. Elle en a profité pour être Bad Lily en classe. Monsieur, ok, je vous rappelle. Bon, les amis, en fait, c'est plus grave que ce que je pensais. Je vais devoir aller à l'école de Lily Rose dans sa classe, parce qu'apparemment, elle a fait des grosses bêtises avec les autres élèves. Bon, je pense que c'est le retour de Bad Lily, la version extrêmement méchante de Lily Rose. Bon, les amis, il faut que j'y aille, sinon ça va très mal tourner. Les amis, je suis devant la salle de classe. J'entends que ça se chamaille, le prof n'en peut plus, il est totalement dépassé. Faut que j'intervienne pour essayer de calmer Lily Rose, même si je suis pas sûr que ça marche. Parce que quand elle est en mode Bad Lily, c'est une catastrophe. Stop, 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 stop. Stéphane, Lily Rose, qu'est-ce que tu fais? Je suis plus Lily Rose, je suis Bad Lily. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu dis. Donne-moi les réponses, mais d'accord, d'accord. Mais t'as déchiré le livre. D'accord, les réponses. Mais t'as déchiré le livre. Allez, du prof. Dépêche-toi, ça va pas, non? Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Le matériel. Non, mais Lily Rose. Non, mais Valentin, Valentin. Quoi? Pourquoi t'es enroulé avec une corde? Mais elle me fait peur, c'est elle qui a fait ça. N'importe quoi. T'as enroulé Valentin avec une corde? Mais Lily Rose, ça va pas. Je suis plus Lily Rose, je suis Bad Lily. Ouais, oh là là là, Esteban, fais quelque chose, j'en peux plus, c'est la fin d'année, elle devient insupportable. Appelez-la Bad Lily, comme ça déjà ça réglera un petit Lily, problème. Bad Lily, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, donc, quand c'est comme ça, il faut faire exactement ce qu'elle demande, sinon elle devient absolument folle, elle se met à tout casser. Oui, bah alors maintenant, monsieur, vous allez démissionner et sortir de la classe. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire parce que je vais prendre des vacances. Sortez de la classe, bon. Libère-moi, s'il te plaît. Oui, on va... Libère Valentin. Tais-toi. Bad Lily, s'il vous plaît. Libérez Valentin. Non. Ok, bon. Écoutez, là je pense que ça va pas suffire. Je vais devoir appeler Peppa Pink pour qu'il vienne dans la classe chercher Lily Rose. On va l'emmener à la maison et on va faire en sorte qu'elle redevienne normale parce que là c'est une catastrophe. Bon, Bad Lily, ça suffit, maintenant faut rentrer. Non. Je veux rentrer chez moi. Oui, oui, on va rentrer, on va rentrer. Ouais. Enfin, bon, il est arrivé. Qu'est-ce qui se passe, Esteban? Bon, Lily Rose est incontrôlable. Bon, Lily Rose, là, tu te calmes, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Je vois Valentin, là, qui se cache. Ah ouais, bah, Valentin, il se cache, il a peur. Ouais, si c'est comme ça, je vais rentrer toute seule, hein. Oula, oula, mais... C'est quoi ce maquillage? Là, les amis, chez vous, vous devez être mort de rire. Qu'est-ce que tu fais? Vous me laissez tranquille, maintenant. Oula. Vraiment pas bien, mais qu'est-ce qui lui arrive, Valentin? Bon, je voulais que tu viennes à l'école pour voir ça, mais ce matin, elle voulait se maquiller en Bad Lily. Et tu sais très bien que quand c'est comme ça, elle devient incontrôlable. Là, ouais, les amis, je pense que vous avez jamais vu Lily Rose comme ça, énervée comme ça. Bon, vous inquiétez pas, en vrai, elle est pas méchante. Elle dit que c'est la plus méchante des filles. Mais en vrai, quand c'est comme ça, elle est... Voilà, c'est juste qu'elle est un peu énervée et elle veut se donner un style. Elle tape un peu sur des trucs, sur les cahiers, tout ça, mais... Je me suis demandé quoi, parce que j'ai vu le prof partir en courant. Il veut plus revenir. Non, il est parti en vacances. Il est parti en vacances, bon. Ils m'ont énervé, là. C'est bon, là, je vais aller écouter ma musique de Bad Lily. Allez. Vas-y, sors de là, Valentin. Elle est partie, c'est bon. Oui, oui, elle est partie. Ouais, là, à mon avis, elle va rentrer à la maison toute seule. Bah, attends, le pauvre, Libérer Valentin. Libérer, délivrer, hein. Il est temps. Oula, oula, oula. Ça va lui donner le tournis. Libérer, délivrer. Les étoiles tendent les bras.
avoir la tête qui tourne. Bon allez, les amis. Bon là je suis en train de rigoler mais c'est pas drôle. On va devoir trouver une solution pour que Lily Rose redevienne normale avant ce soir. C'est quoi le parce temps que tout à l'heure on doit aller chez des abonnés pour un concert. Et si elle est comme ça, elle va faire fuir tous les abonnés. Ça va être une catastrophe. Bon, on fait quoi? On y va? Oui mais attends, il faut établir un plan d'abord. Ouais, bon écoute, j'ai une solution. Si on appelle Tata Grognon... Tata Grognon, elle est tellement... Ah, tata ouais. Grognon, c'est notre tata. Ça va lui... Elle est tellement insupportable que ça tombe, Bad Lily, elle va redevenir gentille. Ou enfin, quoi que, ça tombe, Bad Lily va s'en prendre à Tata Grognon. Ouais, mais enfin, je sais pas. Je pense qu'on va appeler Tata Grognon. C'est peut-être la seule qui peut régler le problème de Bad Lily. Parce que la dernière fois, Lily Rose, elle était comme ça. On a essayé d'appeler sa mère, ça n'a pas marché. On a appelé notre grand-père, ça n'a pas marché. Si on appelle Tata Grognon, ça peut marcher. Tata Grognon, ça peut marcher. On connaît qu'elle pour régler le problème. Bon, allez, les amis, on appelle Tata Grognon, elle arrive chez nous. T'as son téléphone ? Maintenant ! Coucou les amis, on m'a appelé, apparemment il y a une situation un peu grave, apparemment c'est le retour de Bad Lily. Écoutez, moi dans ma vie, j'ai dû garder des dizaines d'enfants, il y en avait qui étaient vraiment pas sages, vous savez, il y en a qui m'ont rasé les cheveux, il y en a qui ont failli couper une de mes mains, oui c'était une catastrophe ce jour-là, il y en a qui m'ont fait boire de la bave de limace, enfin bref, j'en ai connu des dizaines, donc c'est pas Bad Lily qui va me faire peur, vous savez, je vais essayer de la redresser un petit peu. Elle va être sage avec moi. Même s'il faut qu'elle reste une semaine avec moi, vous allez voir. Ça va être une catastrophe pour elle. Bon, hop, je vais sonner. J'espère que le petit Peppa Pink, là, cette petite cacahuète, va se dépêcher. Allez, on arrive, là. Moi, j'ai pas tout mon temps. Hein. Je dois finir ma partie de Scrabble. Ah, t'es là. Ah. Rentre vite, Tata Grognon. Oui, oui, bah t'inquiète pas, j'ai bien compris le problème. Si j'ai bien compris, c'est le retour de Bad Lily. Bon, elle est où? Dépêche-toi. Elle est où? Elle est... On peut pas la maîtriser. Elle est où? En haut, dans sa chambre. Elle est dans sa chambre. Ah bah ça tombe bien. Tu connais la route? Oui, oui, bah t'inquiète pas, je connais bien la maison. Alors fais attention parce qu'elle est vraiment pas comme d'habitude. Oui, oui, elle est pas comme d'habitude, mais moi j'ai l'habitude, hein. J'ai l'habitude des petites cacahuètes comme ça. Oui, avant d'ouvrir, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle est sortie de la classe en furie, on sait pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est la fin de scolaire, c'est le début des vacances, son prof est devenu fou, il veut plus la... Allez, hop! Ah, oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui se passe ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais qui passe ça dans ma paella? Mais bouge de là, je te déteste! Ouh là 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 là, on va passer. Non, non, là. Oh non, mais ça c'est rien, ne t'inquiète pas. Je te l'avais dit. Ne t'inquiète pas. Là, tu as démarré mon moteur, enfant passage. Mais va là-bas, je te déteste. Et on parle pas comme ça? Je parle comme je veux déjà. Bon, les amis, ne suivez pas l'exemple de cette Bad Lily. Elle est vraiment très méchante avec les adultes. Impolie, impolie, irrespectueuse. Tout ce que je déteste. Mais Tata Grognon, écoute. Oui. Je veux te dire un truc. Valentin, tu sais ce qu'elle t'a... Ah, bah voilà. Raconte ce qu'est-ce que ça tu as fait à Valentin? Je lui ai rien fait du tout. On est hyper potes. Hein, c'est pas vrai. Elle c'est pas vrai. Arrête de raconter n'importe quoi. On se calme. Hein, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle m'a ligoté. Avec une corde? Oui, à l'école. Bon, écoutez, le seul remède, c'est le temps. Moi, je dis puni dans sa chambre pendant une semaine. Oh là là, mais n'importe quoi. On t'apportera du pain pour manger et de l'eau pour boire. Puni dans sa chambre, puni d'écran, plus d'écran pendant une semaine. Allez, un écran pour qui? Allez, prenez sa télé. Prenez la télé qui est en dessous. Ouais, prenez tous les écrans. Pendant une semaine, on va tous subir ça. Allez, là. Allez. Mais qu'est-ce qui va pas, ma petite Bad Lily? Ça va pas? Mais qu'est-ce qui va pas? Oui, prenez l'enceinte. Moi, aussi. Prenez la télé. Mais c'est pas une télé, ça, c'est une boule à facettes. Prenez la télé. Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas. J'ai ah bah tu vas redevenir gentille. Oui. Ah voilà, elle va redevenir gentille. Tu crois pas que t'as été un peu dur avec Lily Rose? Non, regardez. Regarde. Ah, tu vas redevenir gentille. Oui. Ah bah voilà, ça a marché. Ah bah voilà, bah bon. Je retire tout ce que j'ai dit. Par contre, si tu redeviens méchante, ça sera reparti pour un tour. Oui. Bon allez, tu vas aller m'enlever ce maquillage ridicule et ce collier. Oui. Et tu vas redevenir la Lily Rose adorable que tout le monde apprécie. Oui. C'est parti. Oui. Dis oui, Tata Grognon. Non. Ah! Oui, Tata Grognon.
Allez, Lily Rose, s'il te plaît. Bon, écoutez, moi, je pense que j'ai fait le travail, elle va redevenir normale. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, il faut toujours bien se comporter avec les adultes, c'est comme ça. Elle ne suit pas les conseils, mais bon, c'est pas grave. Cliquez sur une vidéo qui apparaît, allez voir une autre vidéo de Pink Lily où elle est beaucoup plus sympa. À la prochaine. Ciao, ciao, mes petites cacahuètes.